matin, c'est de l'escalier à l'ascenseur. De l'escalier à l'ascenseur. Le thème est tiré d'une parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a vécu seulement 24 ans. Elle est née en 1873 et elle est morte en 1897. Vierge, docteur de l'Église et patronne des missions. J'ai expliqué. Vierge, parce qu'elle s'est gardée pure. Docteur, parce qu'elle a vraiment enseigné par ses écrits. Elle n'a pas prêché comme ça, mais par ses écrits, elle a vraiment enseigné tout ce qu'elle a écrit. Ses lettres, tous ces écrits-là sont d'une grande profondeur. L'homélie ici est pleine de ces citations. Vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui. Et puis, patronne des missions. Patronne des missions, parce que même si elle n'est pas sortie de son couvent, elle priait beaucoup pour les missionnaires. Elle priait beaucoup pour les prêtres qui ont quitté leur pays pour aller évangéliser les terres lointaines. Alors l'Église a considéré que pour sa vie de prière, pour les missions, elle est patronne des missions. Parce qu'elle nous apprend une autre manière d'être missionnaire. Tu peux être missionnaire en priant pour les missionnaires. En priant vraiment pour les missionnaires. Tu es missionnaire. Tout celui qui prie pour les missionnaires est missionnaire. Amen. Voilà. Maintenant, le thème, je l'ai eu dans une de ces paroles ici, hein, que j'ai reprise là. Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite. Donc, Sainte Thérèse cherche un moyen pour aller au ciel. Il dit, j'ai trouvé une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Et quand vous allez chez les riches à l'époque, c'était au début, hein, quand les ascenseurs ont commencé. Vous pouvez donc comprendre que quand Mbujima, il y a des gens qui n'ont jamais vu l'ascenseur, donc ils sont encore en 1800. Parce qu'elle, en 1800, là, elle dit, c'est une nouvelle invention. Elle est étonnée, elle en parle. Alors que nous, nous sommes en 2024, et il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un ascenseur. Alors, elle dit, chez les riches, on trouve les ascenseurs. Chez les pauvres, on trouve les escaliers. Alors, elle dit, bon, pour aller chez Dieu, il y a des gens qui prennent l'escalier. L'escalier demande des efforts. Moi, je préfère pour aller au ciel, pour devenir sainte, je préfère prendre l'ascenseur. Et il va dire que l'ascenseur, ce sont les bras de Dieu. Que Dieu lui-même la prenne et l'amène chez lui. Par ses efforts à elle, elle ne pourra pas. Prendre l'escalier, c'est compliqué. L'escalier de la sainteté, l'escalier qui amène au ciel, c'est compliqué. Ça, c'est pour l'effort. Elle est toute petite, elle préfère que les bras de Dieu, les mains de Dieu l'emportent, l'amènent dans la sainteté. C'est ce qu'elle dit ici. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter les rudes escaliers de la perfection. Je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai cherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Proverbe 9, 4. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que j'ai cherché, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Isaïe 66, 12 à 4. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus.
Oh mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi, je veux chanter vos miséricordes. Il dit, je ne veux même pas devenir grande. Je veux rester petite pour que vos bras continuent à me porter. Voyez-vous, là, hein, nous nous avons grandi. Nos mères ne nous portent plus parce que nous avons grandi. Et elle dit à Dieu, non, je voudrais rester toute petite pour que tu me portes toujours. Je ne veux pas grandir. Je veux rester toute petite pour avoir besoin de tes bras. Psaume 130. Je n'ai pas le cœur fier, ni les regards ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant, contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. J'ai prêché ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que devenir chrétien, c'est être un grand. Hein? Je veux être grand. Tu vois, hein? Tu te sers de Dieu. Je veux être un grand. Je prie sur les gens, ils tombent. Je commence à donner des prophéties. Elle a refusé cette fois. Moi, je veux rester petite. Vous allez entendre, d'accord. Je veux être petite. Mais il y a des chrétiens, il est chrétien à la recherche de la puissance. Seigneur, je voudrais commencer à quand je dis là, je vois quelqu'un, je vois ce qu'il y a dans son cœur. Et je lui dis ça. Jésus! Oh. C'est ça que vous voulez, non? C'est ça que vous cherchez? Quand tu es chrétien, tu veux quoi? Tu commences à voir, hein, par exemple, si Noël, tu commences à voir ce qu'il y a dans les cœurs des gens. C'est mauvais ou c'est bien? Voilà les ambitions des chrétiens aujourd'hui. Découvrir ce qu'il y a au fond d'Enoch. Je regarde comme ça, je vois ses intentions. Alléluia. Elle a refusé ça. Elle dit, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas une telle sainteté. Sainteté des gens qui font les miracles. Tu es ici, tu es aussi à Kamalondo. Bon, pas ça. Pas cette sainteté. Et j'ai lu, quand j'étais petit, j'ai lu un livre de Sainte Thérèse. J'ai eu même peur de la sainteté. Je vous en ai déjà parlé. Un jour, elle explique qu'elle était au couvent et son papa lui a dit, je vais venir te voir. Elle était toute contente que son papa puisse venir la voir. J'ai lu ça, j'étais jeune. Hein. Je suis encore rentré au séminaire. Maintenant, son papa n'est pas venu. Il a eu un empêchement, il n'est pas venu. Alors elle a écrit une longue prière à Dieu pour le remercier parce que son père n'est pas venu. Moi j'étais jeune, j'ai dit, mais quel mal y a-t-il à être visité par son père? Que maintenant que papa n'est pas venu, elle pouvait quand même être triste, même ne pas être triste, mais être indifférente. Mais elle en fait un sujet de prière. Et elle demande à Dieu, tout ça, c'est parce que tu voulais m'apprendre l'abandon, comment je dois m'abandonner entre tes mains. Voilà. J'étais jeune, j'ai lu ça, j'ai eu peur de la sainteté. Le niveau d'abandon à Dieu, le niveau de renoncement de Sainte Thérèse. Moi, je ne suis pas encore entré au séminaire hein, à l'époque. Je suis un jeune garçon, je suis passé chez les soeurs, j'ai trouvé ce livre-là, j'ai lu. Je vois encore un petit livre comme ça, petit forme. Il nous a aimé le premier. On reprenait hein, les choses qu'elle avait dites, ce n'est pas son livre. Alors, elle dit non, les bras de Dieu. Ces paroles de Sainte Thérèse font de ce qu'on appelle la voie d'enfance spirituelle. Elle veut rester une enfant dans les bras de son Dieu. Premier point, désir de sainteté et réalisme. Encore Thérèse, je cite encore Thérèse ici. C'est toujours elle que je cite. J'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. C'est-à-dire, les saints sont les sommets des montagnes. Hein? Les saints, quand ils regardaient les saints, ils disaient, ah, eux sont des sommets qui se perdent dans les cieux. Et moi, Thérèse, je suis le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait
inspiré des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Dis non, malgré ce que je suis là, malgré ma petitesse, je peux aspirer à la sainteté. Parce que Dieu ne peut pas m'inspirer des désirs irréalisables. Si Dieu m'a inspiré ça, c'est que je peux y arriver malgré. C'est le combat que le diable a volé à beaucoup d'entre nous. À cause d'une faiblesse, le diable t'a convaincu, tu ne peux pas être saint. Toi, tu ne peux pas, laisse seulement, laisse tomber. C'est ainsi que tu vas d'erreur en erreur. Parce que si tu pouvais considérer la sainteté comme tu considères les études, nous avons fait des études. Il y a des cours dans lesquels nous étions faibles. Mais cela ne nous a pas empêché de réussir. Cela ne nous a pas empêché de terminer. Aujourd'hui, tu es licencié en économie, licencié en droit. Mais ça ne veut pas dire que tu connaissais tous les cours de droit. N'est-ce pas, Maître Merveille Bilonda Basekai? Hein? Tu es aujourd'hui licencié en droit, maître. Mais est-ce que tous les cours de droit tu maîtrises? Il y avait des bêtes noires. Mais en gros, on dit licencié en droit. Il y a des gens par exemple, qui ont fait des études en économie. Là, par exemple, il y a le cours de statistique. C'est parfois compliqué. Tu n'arrives pas. Mais quand même, tu réussis par césarienne. Mais tu ne connais pas, même aujourd'hui, tu es déjà devenu économiste. Dès que tu vois les statistiques, ça te fatigue. Mais pourtant, tu as la licence. Alors, il faut appliquer la même logique à la sainteté. Que je peux être faible. Ici, je voudrais qu'on écrive un livre. Je ne sais pas si quelqu'un a écrit. Hein, qu'on écrive un peu un livre sur les faiblesses des saints. Ça pourrait aider les gens. On montre que les saints avaient des faiblesses. Mais que malgré ça, ils sont saints. Mais la Bible le montre à sa manière. Parce que malgré ce qui est arrivé à David, la Bible considère David comme un modèle. Malgré ce qui est arrivé à Samson, la Bible considère Samson comme un modèle. Hein? Malgré ce qui est arrivé à Moïse, à Abraham, la Bible le considère toujours comme ça. Abraham a menti. Moïse était un colérique. Mais la Bible le considère comme ça. Mais nous, le diable nous a convaincus que dès que tu as un défaut, tu ne peux pas être saint. La mesure que tu utilises contre les autres, tu l'utilises aussi contre toi-même. La mesure que tu utilises contre toi-même, tu l'utilises contre les autres. Donc l'autre là, même s'il fait ceci, mais à cause d'une erreur, je le disqualifie. Moi-même aussi. Même si je fais ceci, à cause d'une erreur, je me disqualifie moi-même. Il faut changer la manière de voir. C'est interdit. Je peux, malgré ma petitesse, atteindre aussi la sainteté. Même par l'humilité. Même en reconnaissant seulement, hein, quelqu'un peut être saint simplement par le fait qu'il reconnaît qu'il n'est pas saint. Et parce que nous tous, nous pouvons le reconnaître en parole. Mais il y a des gens qui le reconnaissent dans leur vie. Quelqu'un peut reconnaître, oh, je ne suis pas saint, je ne suis pas parfait. Tout le monde dit ça. Mais la même personne qui dit je ne suis pas parfait, injuriez-le. Injuriez-la. Vous allez voir comment il va réagir. C'est-à-dire que quand je dis que je ne suis pas parfait, c'est-à-dire qu'on peut dire des choses contre moi, on peut m'injurier. Et comme j'ai toujours dit que je ne suis pas parfait et qu'on m'injurie, je l'accepte facilement. Mais nous tous nous disons, je ne suis pas parfait. Vous savez bien que je ne suis pas parfait. Mais dès qu'on t'injurie, tu te comportes comme quelqu'un qui disait qu'il était parfait. C'est-à-dire pour nous, c'est juste un discours. C'est juste une manière de parler. Mais en réalité, nous sommes convaincus que nous sommes parfaits. Mais nous voulons, aux yeux des gens, feindre, donner l'impression qu'on n'est pas parfait pour gagner la faveur de certains, pour que les gens nous considèrent comme étant humbles. Mais il y a des gens qui disent ça et qui le vivent. Donc tu peux être saint et sainte en vivant seulement le fait que je ne suis pas parfait. En vivant ça, tu peux être un modèle dans ce domaine. Il n'y a pas de saint à part Dieu qui soit modèle dans tous les domaines. On peut parler de la Vierge Marie. Même la Vierge Marie, on peut dire quelque chose. On dit, voilà, Marie aussi, elle ne comprenait pas Jésus. Parce que le jour où on dit que Jésus est devenu fou, Marie aussi est allée voir. Bon, on peut dire non, elle est allée là-bas, on peut toujours la sauver. Non, peut-être elle est allée là-bas. Non. Mais au moins, elle était là. Quand les frères de Jésus ont pensé qu'il était devenu fou. Alors, le désir de sainteté. Alors, est-ce que tu as ce désir-là encore, cher frère, toi qui es venu ce matin fêter Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus? Est-ce que tu as ce désir de sainteté? Tu veux te distinguer en matière de foi? En matière de charité, d'espérance. Tu as ce désir-là. Comme tu as le désir de te distinguer, je veux porter la robe que personne n'a jamais portée. Je veux porter l'habit que personne n'a jamais porté. Je vais acheter une maison que personne n'a jamais achetée. Ça, si je vous dis ça, acheter une maison que personne n'a jamais achetée.
personne n'a jamais acheté. Vous allez dire amen. Acheter la robe que personne n'a jamais acheté. Amen. Mais maintenant, c'est là ça, le désir de sainteté. Je voudrais me distinguer aussi. Même dans un domaine. Tant soit peu. Je voudrais plaire à Dieu. Je vais faire de mon mieux pour faire plaisir à Dieu. Je vais faire de mon mieux pour provoquer la joie de Dieu. Ça, la sainteté. Je vais faire de mon mieux, pour le dire négativement, pour ne pas énerver Dieu. Ou bien, je vais faire de mon mieux pour énerver moins le Seigneur. Pour moins énerver le Seigneur. C'est ça. Et ça te préoccupe. C'est ça la sainteté. Avoir ce souci-là. Comme tu as le souci, je voudrais aujourd'hui avoir l'argent. Je voudrais aujourd'hui acheter ceci. Alors, et le souci de plaire à Dieu. Tu as ce désir-là. Tu peux être chrétien, tu l'as déjà perdu. Être chrétien devient quelque chose de protocolaire. Tu viens à la messe, tu rentres à la maison. Mais sans aucune décision, sans aucun désir de plaire à Dieu. Te lever le matin, Seigneur, aujourd'hui, je voudrais faire pour toi un sans faute. Comme nous voulons là, les matchs. Il y a des matchs que nous menons, nos équipes mènent 5-0. Et nous voulons que l'équipe adverse ne marque même pas un but. Nous cherchons les clean sheets. Alors, pourquoi tu ne peux pas, dans la vie, et avoir aussi le désir des clean sheets? Même de temps en temps, pas de temps en temps, parce que pour qu'on parle de sainteté, il faut l'héroïcité. Est-ce que dans ta vie, c'est une constante dans ta vie? La recherche des clean sheets. Que le diable ne marque pas. Que le diable ne marque pas. Il y a des gardiens qui sont récompensés pour ça. Le championnat de cette année, tel gardien a donné à son équipe autant de clean sheets. Il y a eu autant de matchs où il n'a encaissé aucun but. Ce désir-là. Tu es gardien de but, tu entres là, tu dis, aujourd'hui, l'adversaire ne va pas marquer. Je vais faire de mon mieux pour qu'il marque. Au moins le désir. Si maintenant, tu entres avec ce désir-là et l'adversaire aussi est fort, il peut marquer un but. Peut en marquer deux. Mais pas que dans un match, où tu encaisses 5-4 buts. Non. Tu dois avoir mal. Et ça, un peu, voilà comment je vous explique simplement la sainteté. Tu as ça? Non, je n'ai pas ça. Je viens à l'église, j'ai sommeil, je dors. Et comment je peux faire sommeil? Je me mets debout. Je peux pas dormir. Comment le diable peut me faire? Je ne dors pas. Tu vois, le diable commence à te conduire. Comment le diable me conduit? Non. Je n'en fais pas ça. Moi, je voulais les clean sheets. Je dois me battre pour qu'ils ne marquent pas. Je ne dois pas encaisser. Tu as ça? Beaucoup de chrétiens sont là. Ils ont déjà perdu ça. Des chrétiens avec d'autres ambitions. Chrétiens avec ambition de devenir un grand médecin. Chrétiens avec ambition de devenir un grand footballeur. Chrétiens avec ambition de devenir un grand politicien. Chrétiens avec ambition de devenir une grande mariée. Un grand marié. Mais il n'y a pas de chrétien avec ambition. Ah, je vais plaire à Dieu. Clean sheet pour mon Dieu. Ébélé à zéro. Je veux gagner Satan. Ébélé à zéro. Achabité. Que Satan ne marque pas. Tu ne rentres jamais à la maison pour faire l'examen de conscience. Oh, j'ai commis une erreur. Oh, je ne sais pas bien marcher. Prochainement, je vais corriger. Non, rien. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté, mais grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. On lit dans cette affirmation trois détails importants. Le désir de sainteté, l'humble réalisme et l'abandon entre les mains du Seigneur. Le désir de sainteté. Un chrétien peut tout manquer, sauf le désir de la sainteté. En effet, l'unique vraie tristesse de l'homme consiste à ne pas atteindre la sainteté. Comment est-ce que je peux vous expliquer la sainteté, mon Dieu? Comment puis-je expliquer? Vous avez quelqu'un que vous aimez, mais vous n'arrivez pas à lui donner la joie. C'est ça. C'est ça la tristesse. J'aime Dieu et Dieu m'aime. Et je l'énerve tout le temps. Maintenant, si vous l'aimez en vérité, vous aurez mal. Comment puis-je faire du mal à quelqu'un qui m'aime tant, à quelqu'un que j'aime tant? C'est ça l'unique tristesse du chrétien. Que Dieu qui m'a fait tant de bien, je suis incapable de faire sa volonté, de lui donner de la joie. C'est ça la tristesse de la sainteté.
Moi, je les vois ici, mes enfants qui sont ici. Il y a des enfants que j'ai ici à la paroisse, hein, qui me sont particulièrement attachés. Ils viennent eux-mêmes parfois me poser la question. Mais vous savez, je vois que ces derniers temps, vous n'êtes pas bien avec moi. J'ai dit non, non, il n'y a pas de problème. Parce que peut-être il m'a salué, elle m'a salué, et moi j'étais distrait, j'ai mal répondu. Ou bien j'ai une blague que j'ai toujours lancée, mais j'ai été distrait pendant ce temps, je n'ai pas lancé la blague. Alors, elle, quoi, comment? Mais c'est la vie, souvent quand il me voit, il m'appelle Chik Chondorik, Mouyandon Kumangamuteni, Kamanikuja, Ujambanga Kainyuni, Nyeji Ambakutuka, Chibi Chabijikijik, alias Tofi Pafou. C'est comme ça que j'ai dit, chaque fois que je la vois, chaque fois que je te vois. Alors maintenant, je ne dis pas ça. Un jour, deux jours. La personne, ah, il y a un problème. Bon, souvent, les gens aussi comme ça, c'est qu'ils ont aussi fait des problèmes. Ils disent que M. Labé est au courant. Non, non, je ne suis pas au courant. Je suis à l'eau. Mais ce souci-là, vous l'avez. Ah, mon père, mais Seigneur, attends, vous n'êtes pas bien avec moi. Il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est ça la tristesse. Donc, avant de venir m'en parler, c'est que tu as fait l'examen de conscience toi-même dans ta maison, dans ta chambre. Tu dis, non, mon père n'est pas bien avec moi. Mais c'est la même chose. Le désir, là, il faut l'avoir. C'est ça la tristesse du saint. Dieu qui était mon familier, Dieu qui me parlait, Dieu qui me faisait des compliments, Dieu qui me faisait des clins d'œil, semble me tourner le dos. Alors, ça me rend triste. Le désir de sainteté n'est pas un luxe réservé à quelques êtres d'exception, mais c'est le lot de tout chrétien. La Bible nous le dit à plusieurs reprises, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 11, 44, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut la rechercher. Et le texte n'a pas dit trouver, il dit rechercher. C'est-à-dire toute votre vie, vous ne ferez que la rechercher, cette sainteté, cette sanctification. Vous la rechercherez toute votre vie durant. Il n'y aura pas un moment où vous la trouverez. Dieu n'a jamais dit, cherchez la sainteté, vous la trouverez. Il dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc il faut la chercher toute votre vie durant. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés au ciel, pas sur la terre. Ceux qui ont soif et faim et soif de la justice, ceux qui ont faim et soif de la sainteté. Est-ce que tu as encore la soif et la faim de la sainteté? Tu es chrétien depuis 30 ans, tu es chrétien depuis 20 ans, tu es devenu fonctionnaire, tu travailles, tu prêches, tu lis à l'église, tu chantes à l'église. Mais est-ce que tu as faim et soif de la sainteté? Tu peux avoir faim et soif d'un concert, faim et soif d'une organisation, d'une campagne, de ceci ou cela. Mais faim et soif de la justice. La justice comprise ici comme sainteté, c'est encore en toi. Je veux faire un clean sheet pour mon Dieu. Je veux gagner. Je veux vaincre Satan avec gloire. Le vaincre avec acclamation du Seigneur, pour ne pas dire acclamation du jury. En fêtant Sainte-Thérèse aujourd'hui, nous devons nous poser des questions sur notre désir de sainteté. Nous avons plusieurs désirs, certes, mais la sainteté en fait-elle partie? Le saint, c'est celui qui participe à la course avec la volonté de remporter la palme. Tu vois, par exemple, il y a Coupe du Monde. Le Congo est là. Le Congo s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde. Le Congo ne va pas pour gagner. Le Congo dit non. Bon, que je ne perde pas par de lourds scores. Dans une même poule, il y a Brésil, Argentine, Allemagne, Congo. Vous allez pourquoi? Pour ne pas encaisser beaucoup de buts. On va tout faire, n'encaissons pas. D'ailleurs, les joueurs eux-mêmes sont contents. Et on va jouer avec contre le Brésil. Ah, il y a un fanatique du Real là-bas. Et je vais prendre les maillots de Vinicius. C'est ça. Ils vont même se disputer avant les matchs. C'est moi qui prends les maillots de Vinicius. C'est moi. Donc ils vont pour participer, pas pour gagner. Mais le Brésil, l'Allemagne, la France, le Portugal, ces équipes, l'Espagne, ils vont à la Coupe du Monde avec le désir de la remporter. C'est ça la sainteté. Toi tu es chrétien, pourquoi? Tu viens participer. Tu cours de manière à remporter le prix. Non, 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 je viens seulement participer. Moi c'est premier tour, on va m'éliminer. D'ailleurs j'ai dit à ma femme, déjà je rentre dans une semaine.
Parce que je ne veux pas aller jusqu'à la finale. Ça prend un mois. Première semaine, déjà, t'as osé, hein? On rentre. Tu es là pour participer ou pour gagner? Et ça, la sainteté. Chrétien pour participer, non, pour gagner. Courez, 1 Corinthiens 9, 24. Courez de manière à remporter le prix. Et le premier pas dans cette course, c'est Jacques 4, 4. Qui veut donc être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Si tu aimes ça, oh, oh, la musique et le football, tu peux aimer. Mais tu sens que non, bon, j'aime, je n'idolâtre pas. Je peux sacrifier ça pour mon Dieu. Et puis je peux discerner. Ça, c'est pas bien. Tu aimes la bière, tu aimes les boîtes de nuit. Il y a des chrétiens ici. Dieu te bénit. Le lieu pour aller lui rendre une boîte de nuit. Tu es encore ami du monde à ce point-là. Et je disais aux jeunes, vous qui m'avez connu, vous étiez tout petit, toute petite. Comment est-ce que tu peux avoir l'idée d'aller dans une boîte de nuit? Moi ici, à mon âge, je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Et je n'ai pas envie d'y aller. Mais toi, tu es là, jeune, c'est ta préoccupation. Dans la boîte de nuit, là, il y a quoi je dois découvrir? Tu brûles d'envie d'entrer dans une boîte de nuit. C'est ton ambition. Qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Et ça, il faut intérioriser ça. Et ce sont les principes de la vie. Regardez, moi, je regarde, j'observe parfois, il y a des gens, bon, ça arrive, des gens, des ivrognes, des gens comme ça, ils sont bien dans la vie. Bon. Mais moi, je remarque que dans la vie, ce sont les gens disciplinés que Dieu bénit. Les gens disciplinés. Parce qu'un ivrogne, on peut dire, ah, Dieu l'a béni, mais il y aura toujours quelque chose qui va les rattraper. Parce que même si, sur le plan de la vie, il a l'argent, mais il faudrait apprendre, oh, il a telle maladie, oh, tout ça parce qu'il buvait. Il buvait trop. Soyez disciplinés. Le désir de la sainteté. Alors, maintenant, elle dit, j'aime être sainte. Mais le réalisme, je suis pécheresse. Jésus lui-même a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre justice, ça c'est Matthieu 26, 41, mais Isaïe 64, 6, il dit, notre justice est comme un vêtement souillé. J'ai déjà prêché plusieurs fois sur ça. Romains 7, 14 à 24, il dit, non, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je veux éviter, je le fais. Qui me délivrera? Mais il termine, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc maintenant, elle comprend, elle veut, ça c'est son rêve, être sainte. La réalité, c'est qu'elle est pécheresse. Alors il dit quoi? La solution, c'est l'abandon entre les mains de Dieu. C'est quoi? De l'escalier à l'ascenseur. Je ne prends pas l'escalier de l'effort. L'escalier de la perfection. Je préfère l'ascenseur. Que Dieu me rende saint. Que Dieu me fasse saint. Que ma sainteté vienne de lui. Parce que lui seul est saint. Lui seul est la source de toute sainteté. Que ma sainteté soit une sainteté reçue. Et si elle est reçue, elle ne me rendra jamais orgueilleux, orgueilleuse. Je veux recevoir de toi ma sainteté. Donne-moi la grâce de la sainteté. Je m'abandonne entre tes mains. Et sur l'abandon ici, entre les mains du Seigneur, c'est très beau ce qu'elle dit. La joie de Thérèse consiste à se laisser faire en Jésus, qui s'abaisse vers elle et la comble de son amour. Son seul mérite est de ne pas en avoir. La reconnaissance de son impuissance lui enlève tout désir d'héroïsme, d'extase, des choses extraordinaires qui remplissent si souvent l'âme d'orgueil. C'est ce que je vous disais là. Novice, elle écrivait à sa sœur Agnès, bien avant sa découverte de la petite voix. Je n'ai pas envie d'aller à Lourdes pour avoir des extases. Je préfère la monotonie du sacrifice. Oh, ça c'est ça la sainteté. C'est ça sa sainteté. Préférez la monotonie du sacrifice. Regardez comment nous sommes ici. La monotonie nous fatigue. Nous nous habituons à la grâce. Nous nous habituons aux enseignements. Nous nous habituons aux prières. Et nous nous habituons à l'adoration. Nous venons maintenant le matin. C'est le temps de l'adoration. La chanson est en train de passer. Tu es à genoux, mais tu ne pries pas. Est-ce que tu préfères la monotonie du sacrifice? Pour Dieu, j'accepte de faire ça.
Et je sais qu'il y a de la puissance en ça. C'est simple. Les gens qui tournaient Jéricho, monotonie. Mais les murs sont tombés. Je viens à la messe, monotonie. Je préfère ça. Plutôt que je cherche un changement, il faut que dans ma vie, il y ait des miracles. Quand je fais comme ça, le feu sort de ma main. Tu seras un grand chrétien. Il y a des gens ici. Si Dieu les dote de charismes et de dons, ils vont devenir des grands chrétiens. Mais la monotonie du sacrifice, les gens n'aiment pas. Les gens aiment que Dieu les comble de charismes. Tu te tiens comme ça. Si demain, un jour, tu viens ici à la prière, tu lèves les mains comme ça, le feu sort. Tu vois le feu. Fouah! De tes mains. Et tu touches quelqu'un. Et il est guéri. Mais tu commences à prêcher. Mais la monotonie du sacrifice. La monotonie du sacrifice. Seulement venir à la messe comme je viens et rentrer. Venir à la prière comme je viens et rentrer. Il n'y a rien d'extraordinaire, entre guillemets. Je préfère ça. Quel bonheur d'être si bien caché que personne ne pense à vous. Parce que au moment où vous commencez à prier comme ça, le feu descend dans votre main. Tout le monde va vous connaître. Il y a une fille à la paroisse universitaire, Merveille Bulonda. Et quand elle prie, elle a le feu dans la main. On voit le feu comme ça. Les gens vont venir. Et le fait que les gens vont venir, ce sera pour toi une motivation pour persévérer dans la voie du Seigneur. Mais la monotonie du sacrifice, tu viens seulement comme ça à la messe maintenant. Tu rentres, il n'y a rien. Pas même 5 dollars. Monotonie du sacrifice. C'est là que c'est de ce bois-là dont sont faits les vrais saints. La monotonie du sacrifice. Il dit, quel bonheur d'être inconnu, même aux personnes qui vivent avec vous. Lettre 106. Facilitons-nous les choses, au lieu de peiner orgueilleusement sur le rude escalier de l'effort personnel, prenons humblement place dans l'ascenseur de la miséricorde divine. Je répète ce que j'ai dit, c'est la monotonie de sa prière. Si Dieu vous dote des charismes, vous avez des grands dons, vous allez vous donner, vous allez commencer à évangéliser. Mais Dieu vous dit, allez évangéliser les mains vides. Vous n'avez rien, vous arrivez là-bas, vous bégayez. Mais vous devez continuer à faire. La monotonie, vous prêchez comme ça, personne ne vous croit. Mais vous rentrez encore demain. Vous prêchez, personne ne vous croit. Mais nous tous, nous aurons voulu, quand tu vas quelque part, tu lèves les mains, tu dis aujourd'hui, Dieu va agir au milieu de vous. Ah! Tout le monde dit, ah! Je sens comme si les ventres déchirés. On sera très content, on va persévérer. Mais maintenant, prêcher, les gens ne réagissent pas. Comme vous êtes là, regardez comment vous êtes assis. La monotonie du sacrifice. La monotonie du sacrifice. Il n'y a rien. Mais tu persévères. Il n'y a rien. Monotonie du sacrifice. Toi, tu te sacrifies toujours. Tu prêches, tu n'as pas les résultats. Tu prêches, tu n'as pas les résultats. Tu prêches, tu n'as pas les résultats. Je vous ai parlé de ce témoignage d'un pasteur. C'est une histoire qu'on raconte. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou c'est un midrash. On dit qu'il y avait un pasteur qui prêchait dans une église. L'église était toujours vide. Les gens ne venaient pas. Et un jour, il prêche, un jour comme ça, il prêchait. À l'église, il y avait deux mamans devant là et puis une personne dans le fond. Il a prêché, bon, monotonie du sacrifice, comme il pouvait prêcher. Et il est parti. Il a oublié. Il a même quitté ce village, il s'est retrouvé dans un autre village. Des années après, un grand pasteur connu mondialement est venu le visiter. Il dit, il y avait un jour, j'étais venu dans votre église, vous prêchez dans tel village, il y avait à l'église là, parce qu'il y avait 3 personnes, et moi j'étais là. Vous avez prêché, ce jour-là j'ai été touché, et depuis lors je me suis converti. Je suis devenu pasteur, comme vous le savez, d'une grande église qui avait été à la base de la grande église que tout le monde connaît maintenant. C'est ce pasteur-là qui prêchait dans la monotonie du sacrifice. Il avait l'impression qu'il n'avait pas de résultats. Mais un jour, à une prière, un homme est venu, a suivi un message, a cru et est parti.
et est devenu un grand pasteur. Maintenant, des milliers de personnes suivent ce pasteur-là. C'est grâce à celui qui avait prêché dans la monotonie du sacrifice. C'est une voie de sanctification. Quand Dieu vous met dans la monotonie du sacrifice, donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais vous acceptez ça. J'approfondis ça dans le point qui suit. Vivre l'ordinaire de manière extraordinaire. Thérèse, une sainte qui n'a rien fait d'extraordinaire. Dans la vie de Thérèse, vous n'apprendez pas. Oh, Thérèse est allée ressusciter un mort. Rien. Elle a écrit, elle a fait des prières. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. D'ailleurs, quelqu'un dit ici, Sœur Marie de Trinité, qui a vécu 3 ans avec Thérèse au noviciat, donne un superbe résumé de la petite voix bien droite. Dans cette lettre à Sœur Germaine, une jeune professe du Carmel d'Angers. Elle dit quoi? Sœur Marie de la Trinité dit, je crois bien que c'est la première fois depuis que le monde est monde qu'on canonise une sainte qui n'a rien fait d'extraordinaire. Ni extase, ni révélation, ni mortification qui effraie les petites âmes comme les nôtres. Toute sa vie se résume en ce seul mot. Elle a aimé le bon Dieu dans toutes les petites actions ordinaires de la vie commune. Les accomplissa avec une grande fidélité. Elle avait toujours une grande sérénité d'âme dans la souffrance comme dans la jouissance. Parce qu'elle prenait toutes choses comme venant de la part du bon Dieu. Monotonie du sacrifice. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle est un peu comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit sur Jésus-Christ était vrai. Et Jean-Baptiste est saint. Un saint sans miracle. Thérèse, la sainteté ramenée à l'essentiel qui est l'amour. Alors, maintenant, où est-ce que Thérèse brille? Dans quelle matière Thérèse brille? Dans l'amour. Amour de Dieu, amour du prochain. Et ça, pour les hommes, ce n'est pas extraordinaire. Mais pour Dieu, c'est extraordinaire. La monotonie du sacrifice de l'amour. Dans la vie de Thérèse, elle raconte cet épisode. Qu'elle avait une religieuse qui, dans le même couvent qu'elle. La religieuse se mettait derrière ou devant elle, j'ai oublié. Mais elle faisait du bruit. Vous voyez, par exemple, les gens, quelqu'un qui est là, il y a des gens comme ça. Hein? Il est lui-même bruit. C'est-à-dire, hein, il est lui-même bruit. C'est-à-dire, il va assise là, il va sortir l'histoire de son sac, ça va faire du bruit. Hein, les jambes, elle va bouger. Alors, elle était devant ou derrière Thérèse, j'ai oublié, mais elle dérangeait sérieusement Thérèse quand Thérèse voulait se concentrer. Alors, Thérèse ne supportait pas cette sœur. Mais aux yeux de toute la communauté, les gens croyaient que c'était cette sœur-là, la préférée de Thérèse. La monotonie du sacrifice. Donc une personne qui te fait souffrir, mais toi tu es très gentil avec elle. C'est avec elle qu'elle souriait, elle parlait bien, alors que la personne. Elle nous apprend ce que c'est que l'amour commandement. L'amour, ce n'est pas l'amour seulement filéo. J'ai envie, j'ai sens, mon cœur me dit, mon cœur bat la chamade pour tel. Non, l'amour c'est victoire sur soi-même. Je n'aime pas, je n'ai pas envie de le saluer, mais je vais le saluer. L'amour des braves. Cette personne est allée me critiquer, mais je vais la saluer. Cette personne m'a dit du mal de moi, mais moi je ne vais rien dire. Si je n'ai pas la force de lui faire de compliments, je peux même lui offrir mon silence. Ah, c'est ça. Quand c'est ton ennemi et que tu n'as pas la force de le complimenter, ferme même ta bouche. Ne parle pas de lui en mal. Tais-toi. Comme tu n'as pas la force de le complimenter, tais-toi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 24 ans. Cette maturité, si on l'attendrait à 60 ans, à 70 ans, mais elle, 24, elle est morte à 24, donc elle a ça, peut-être, elle a encore, quand il écrit ça, elle a peut-être 22 ans, hein? Elle a peut-être 21 ans, elle écrit ça. C'est ce que la Bible dit. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes, la glossolalie, parce que ça, aujourd'hui, nos ambitions de chrétiens, je veux commencer à prier, embere, kendembere, et j'embere, kepatapa, embarakala, et yabarakala, et shabarakala, avec risque de sortir des insanités.
Je ne voudrais pas reprendre ce que vous avez appris sur les réseaux sociaux. Des gens qui parlent en langue et qui sortent des choses qui ne conviennent pas. Amen. Alors, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, c'est que les gens aiment, je vais avoir la prophétie, démonstration de la puissance de Dieu. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai, même là, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps, parce que tu peux avoir le désir de devenir martyr, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne se fâche pas, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte l'amour. Je veux être martyr. Non, il n'a pas ça. L'amour. C'est ici que se situe l'actualité de Sainte Thérèse. Aujourd'hui encore, nous croyons plus à la sainteté de ceux qui, par leur foi, transportent les montagnes. Ceux qui font les miracles, ceux qui donnent des prophéties, ceux qui distribuent tous leurs biens aux pauvres, ceux qui livrent leur corps au feu et qui deviennent martyrs. Ceux qui ont le don de glossolalie, parler en langue, le don de prophéties. Mais sans l'amour, avec tous ces charismes, on n'est rien d'autre qu'airain qui résonne, cymbale qui retentit. Cette voix d'enfant spirituel, c'est la voix de Jean-Baptiste sur qui la Bible note « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Mais le vrai miracle de Jean fut son humilité dans la grandeur. Voilà le miracle de Jean. Humilité dans la grandeur. Alors que Jésus ne cesse de clamer sa grandeur en disant qu'il est le plus grand des fils des femmes, lui-même ne cesse de célébrer sa petitesse en se disant indigne de délier la courroie des sandales de Jésus. Il dit, je ne peux même pas être l'esclave de Jésus. Facilitons-nous les choses, évitons l'escalier des œuvres et charismes éclatants, prenons l'ascenseur de l'amour. Il conduit sans faute au ciel. Que cette belle prière de Thérèse devienne nôtre. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. Il dit que Dieu seul soit mon trône et ma couronne. Ça, c'est de l'amour pur. Il y a des filles, des femmes qui aiment les hommes aussi pour leur argent. Il y a des femmes, des hommes qui aiment les femmes aussi pour leur argent, aussi pour leur beauté, aussi pour leur sein, aussi pour leur corps, aussi pour ceci, pour cela. Mais lui dit, non, moi je veux aimer Dieu, pas pour un trône, pas pour une couronne, que lui-même Dieu soit mon trône et ma couronne. Dites à votre voisin, que Dieu soit votre trône et votre couronne. Alors, Sainte Thérèse, pour terminer, rejoint l'évangile de ce jour. On l'a choisi pour célébrer sa spiritualité. Un cœur d'enfant. Ayons un cœur d'enfant. Ayons un cœur d'enfant. Un cœur qui nous pousse à crier Abba, Père. Abba, Père. Un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant. Quelqu'un disait, ayez pour vous-même un cœur de juge. Ayez pour les autres un cœur de mère. Ayez pour Dieu un cœur d'enfant.
pour vous-même un cœur de juge. Soyez sévère envers vous-même. Quand vous devez vous juger, non, là j'ai commis une erreur. Là je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas pu faire ça. Là j'ai mal agi. Un cœur de juge pour vous-même. Ah, j'ai eu 50%, c'est très peu. Non, j'ai pas bien fait les choses. J'ai pas. Non, j'ai satisfait, je suis pas content. Ayez un cœur de juge pour vous-même. Mais un cœur de mère pour les autres. Une mère comprend, une mère pardonne, une mère cache, une mère compatit. Mais pour Dieu, ayez un cœur d'enfant. L'enfant ne fuit pas avec son caca. Quand il a fait caca, il va vers son père. L'enfant ne sert pas son père par ambition. C'est son père, c'est son père, c'est sa mère. C'est quand on grandit qu'on découvre les histoires d'héritage. Que papa a l'argent dans tel compte. Que papa a telle maison à Kinshasa. Et s'il meurt, je vais prendre ça. Mais quand on est tout petit, on ne sait pas ce que papa a. On ne sait pas. On refuse même d'aller à l'école pour rester avec papa, pour rester avec maman. On n'a pas d'ambition. On a des rêves, les rêves d'enfant. Un enfant peut dire, je vais devenir footballeur et président de la République. À la fois, je vais devenir avocat, footballeur et domestique. Pourquoi? Parce qu'il voit comment c'est le domestique qui prépare. Il est content de ça. Je vais devenir domestique. Comme les enfants, ils voyaient un papa qui vendait les nattes. Alors quand il venait à la maison, il vend les nattes à papa et papa lui donne l'argent. Alors, l'enfant avait l'impression que papa donnait beaucoup d'argent à ses vendeurs de nattes. Un jour, on demande à l'enfant et papa, son papa avait comme des moyens. Tu vas devenir quoi? Qui dans ta vie? L'enfant dit, je vais devenir vendeur de nattes. Parce qu'il voyait que papa donnait l'argent à ces messieurs-là. Donc lui aussi, il ne savait pas combien on donnait. Il ne connaît pas la valeur de l'argent. Voilà les ambitions de l'enfant. Parce que dans les choses de Dieu ici, si tu viens avec des ambitions de briller, d'être connu, d'être célébré, comme elle est ceci, comme elle est cela, comme elle est ceci, comme elle est cela, que je dirige, tu vas te perdre. Bien-aimé, quand dans les choses de Dieu ici, tu n'as ni frousse, ni stress, c'est très dangereux. Tu dois lire, pas de frousse, pas de stress, dangereux. Moi, votre pasteur ici, malgré toutes mes années là, chaque jour pour prêcher, j'ai prié. J'ai prié. Je sens toujours, je peux ne pas être à la hauteur. Et même si je maîtrise mon texte, il y a toujours un petit lien qui manque. Si Dieu ne te le donne pas, le message ne passe pas. Je vous donne un exemple. Je vous ai prêché une fois à Cameroun à l'époque. J'avais un enseignement que je donnais, je le donne aussi ici. Je vous le dis souvent, je décris votre situation, votre misère. Non, avant de prêcher à Capéroman, j'ai prêché ça à Saint-Lambert ici. Alors j'ai prêché, j'ai dit voilà, tu souffres, regarde ta vie, regarde ta maison, etc. J'ai décrivé les situations de misère que les gens connaissent. Alors j'ai ajouté, j'ai disais ça, c'était un procédé oratoire. J'appelle, je révolte la personne. La personne parfois a l'impression que j'ai l'injurie. Alors je vais maintenant la récupérer quand je vais commencer à parler de mes propres misères. Donc je vais parler. Pam, 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 pam. Alors ici à Saint-Firmin, j'avais fait ça. À Saint-Lambert plutôt. J'avais fait ça et j'avais oublié. Non. Entre les deux, je me rappelle bien plus bien. Alors j'ai fait ça. J'ai seulement décrit la misère des gens. Alors tu sens dans la salle que les gens sont découragés. Il y a un endroit où j'ai oublié de donner l'autre partie là. Parce que c'est dans l'autre partie que je récupère. Quand je commence à décrire ma misère, alors les gens disent, ah, lui aussi souffre comme nous. Mais si je ne donne pas cette partie là, la personne qui est venue a l'impression que cet abbé, oui, c'est un abbé comment, cet abbé venu de Mujimaï est venu nous insulter. Alors c'est à Cameroun, quand je suis après l'expérience de Saint-Lambert où j'avais oublié, je vais à Cameroun, je récupère, et quand je récupère tout le monde. Mais Dieu peut te faire rater ça, ce petit rien-là. Tu as bien parlé, j'ai bien décrit la situation de tout un chacun.
comment les gens souffrent, comment ils ne mangent pas. J'ai décrit ça bien. Mais maintenant, pour que ce message-là soit un message qui va convertir, il faut que moi-même je m'implique, que je dise. C'est comme vous voyez la vidéo qu'on a coupée où j'ai dit tu es laid, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. C'est pourquoi tu ne commets pas de péché contre le sixième commandement. Mais dans le texte, le long enseignement, il y a des parties où moi-même, et puis vous me connaissez, moi-même je m'injurie. Alors, quels sont les commentaires des gens qui voient cette partie-là? Ils viennent là-bas m'injurier aussi. Maintenant, c'est toi qui es beau. Ah, vous voyez? C'est-à-dire, il faut que les deux soient ensemble. Et ça, c'est Dieu qui donne. Toi, tu peux préparer. Tu as ta partie ici. Mais la nuance qui récupérera les gens qui doutent, ça, il n'y a que Dieu qui donne. Le détail, le silence, le geste. Ça peut, Dieu peut donner un geste qui va tout changer. Quand il disait ça, il souriait. Quand il disait ça, il avait l'air triste. Ça, c'est Dieu. Tu peux pas savoir ça? Ça, je ne contrôle pas. Quand je prêche ici, je ne contrôle pas mes émotions. Je ne contrôle pas. Je n'ai pas étudié mes gestes. Les gestes là, c'est Dieu qui me donne. S'il doit me les donner. Ou les diables peuvent venir me les donner. Donc je tremble toujours. Je dis, ben, est-ce que si j'ai un beau texte, est-ce qu'aurais-je une bonne voix? Si j'ai un beau texte, aurais-je un beau geste? Si j'ai un beau texte, est-ce que j'aurai la bonne nuance? Je mettrai la nuance. Est-ce que j'aurai le mot exact? Ça, c'est Dieu. Ne perdez jamais le stress et la frousse au ministre de l'Eucharistie. Tu commences à monter là-bas, tu donnes la communion aux gens, tu ne trembles pas. C'est dangereux. Tu fais lecture. Tu es lecteur, tu passes devant là, tu fais commentaire, tu es libre. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Comment ça va? Alléluia. Tu es content. Tu fais solo. Merveille. Tu ne trembles pas. Tu es sans stress. Le diable t'habite. Ce n'est pas le courage de Dieu. Ça, c'est un courage d'origine diabolique. Mais je sais que tu stresses. Tu ne stresses pas? Ah, tu stresses aussi. Même si tu es merveilleux, tu dis, ah, peut-être que là. Non, là, c'est pas ça. Peut-être que, oui, j'ai toujours bien chanté, mais on ne sait jamais. Quelque chose peut arriver là-bas. Amen. Donc, gardons ce cœur d'enfant devant Dieu. L'enfant n'a pas d'ambition. L'enfant a des ambitions désordonnées. Si on peut mettre des ambitions, ce sont des rêves d'enfant. Et l'enfant ne peut pas tuer quelqu'un pour son rêve. Un véritable enfant ne tue pas un autre enfant pour le rêve. Au moins, je rêve ça et lui aussi rêve. Moi, j'ai dit, je vais devenir président de la République. Lui aussi va devenir. L'enfant même peut me dire, nous allons tous devenir président de la République. Hein? Mais nous, quand on a des ambitions, tu peux tuer quelqu'un pour ça. Tu as perdu le cœur d'enfant. Viens chez Dieu avec un cœur d'enfant. Viens chez Dieu. Quand tu as un cœur d'enfant, même si dans cette communauté, tu ne gardes pas rancune contre des gens. Je vous donne toujours l'exemple de Blaise, de Martin et Ruth ici. Il vient chez moi avec ses frères Lionel et Eliel. Alors, Blaise s'est sali ou commet une erreur. Ses deux, son frère et sa soeur, viennent l'accuser auprès de moi. Il dit, monsieur l'abbé, tu as vu ce que Blaise a? Alors, Blaise leur interdit de me dire. Non, il ne faut pas dire, à monsieur l'abbé, il ne faut pas dire. Bon, ses frères, son frère et sa soeur décident, me disent. J'ai fait la remarque à Blaise, il ne faut pas faire ça, Après ça, il dit, aparté, ils vont ensemble et ils jouent. Toi, tu peux faire ça. Quelqu'un qui est allé t'accuser, tu peux jouer avec lui. Tu as perdu le cœur d'enfant. Toi, tu peux garder une rancune. J'ai dit que peut-être tu n'auras pas la souplesse de Blaise, qu'à l'instant, tu puisses changer. Mais toi, c'est 3 ans, 10 ans pour une faute. Tu n'as pas ce cœur d'enfant. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut un cœur d'enfant. Que Dieu nous le donne. Un cœur d'enfant. Viens servir ici. J'ai dit hier, quand vous nous appelez Abba, monsieur l'abbé, père, ça veut dire que vous êtes des enfants. Quand tu m'appelles père, c'est Dieu enfant. Et ça, l'église. Moi aussi, j'appelle mon Seigneur père. J'appelle mes confrères père. Je serai ici dès qu'il va être ordonné. Je l'appellerai père. Nous tous. Nous sommes des enfants de nos pères.
Quand l'évêque aussi va se confesser, il dit Père. Quand le pape va se confesser, il dit aussi Père. Donc nous sommes tous dans l'église des enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais aussi les enfants les uns des autres. Tu as dit Père. Donc il faut ce cœur d'enfant là, que Dieu nous le donne. Et ce cœur d'enfant, c'est cela qui va nous pousser même à nous confesser. Un enfant ne fouille pas avec son caca. Si tu vois un enfant qui fouille avec son caca, il a fait caca et il fouille ses parents, ce n'est plus un enfant, c'est déjà un adulte. Un enfant se confesse. Pas seulement parce que la parole s'organisée, il peut lui-même, il sent que je suis sale, j'ai fait caca, j'ai fait pipi. Il va lui-même chercher le prêtre. Mais quand tu fouilles avec ton caca, tu as grandi. Ce cœur-là ne te permettra pas d'aller au ciel. Amen. Amen. Le cheminement de Thérèse nous invite à revivre cette maxime tirée de Luc 6, 36. Miséricordes sicut pater. Miséricordieux comme le Père. Nous ne pouvons pas nous contenter d'invoquer la tendresse du Père céleste. Nous devons en être le matériel didactique. Facilitons les choses aux autres. Soyons l'ascenseur qui les aide à bien comprendre et croire à la paternité de Dieu. Nous tous sommes avancés les devoirs. Hein? D'être l'ascenseur. Si les bras de Dieu nous amènent au ciel, les bras de Jésus nous amènent, les autres, nos frères, ont aussi besoin de nos bras. Miséricordieux comme le Père. Soyons comme ce Père-là miséricordieux qui ramasse les petits, qui les élève. Élevons aussi les petits autant que nous le pouvons. Prions pour que le Seigneur nous aide en cette fête de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus à vivre de cette parole-là. Fuis l'escalier de l'effort personnel, de l'orgueil et de l'ambition. Attends les bras de Dieu, l'ascenseur des bras divins. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.